Ne parlez pas de votre Dieu d'Israël parce qu'il ne vous a pas aidé pendant tout ce temps. Ne parlez pas de votre Jésus-Christ. N'allez plus à l'église pour danser parce que ces gens, ces deux personnalités mystiques n'ont jamais existé et ne nous ont jamais aidés. Ne nous parlez pas de la Cinco, des négociations, des glissements parce qu'ils ont dit Cinco, Nemoto, et Tia Kabila n'a pouvoir. Cinco, Ezali Abisote. Qui dit Cinco, dit le Vatican. Le Vatican, c'est un empire d'occupation. C'est un empire de domination et de vol. Nebiso, Bino Basoda, Bosa la Sony, faux soldat qui se fait appeler des cordons, des généraux, des lieutenants, des séguettes, faux militaires, des escrocs, bateaux, yokoko. Et vous êtes là, vous ne faites rien. Enlevez vos tenues. Bosala, botia ma puta, poto. Au moins, on a pu militaire, batia kabachoko. Quelle est votre motivation? Vous êtes bachoko. Au moins, on a pu. Naba chenette partout. Bosoko tia bato, le net ingaï, enseignable, botia bachenette, mamona. À l'époque de Mobutu, Mobutu a zokoba. Soda alombaka solo yazamba. Je m'appelle Monsieur Eli. Bonsoir les amis. Nous sommes ici à Johannesburg, précisément à Yeovil, dans le bureau de président qui est du Parti National Congolais. On va vraiment lui poser des questions et qu'on trouve vraiment relevantes, importantes pour les temps que nous sommes entrés. Surtout aujourd'hui que c'est le 23, c'est la date convenu par tous les partis, sociétés civiles, les politiciens au Congo pour aller aux élections. Mais malheureusement, la date n'a pas été respectée conformément aux circonstances qui s'est présentées et selon la pensée des politiciens. Alors, Papa Kilele, qui est le président des PNC, alors, aujourd'hui c'est le 23 décembre 2018, la date qui était prévu pour les élections. Mais la chose n'a pas eu lieu. C'est repoussé pour le 30 décembre 2018. En cas, rien ne s'est passé le 30 2018. Quel est le proactive plan and action étant que vous, étant qu'un politicien? Docteur, bonsoir, bonjour à tout le monde qui est présent ici et les internautes ou les téléspectateurs qui vont nous suivre. Une remarque que je dois faire en répondant à votre question est que ce n'est pas un match de football là où il devait y avoir des prolongations. Et même s'il devait y avoir des prolongations, la prolongation a une fin. N'est-ce pas? Il y a des fois quand c'est nul, suivant les lois de la compétition, on fait jouer les deux équipes 30 minutes, 30 minutes. Et quand ils sont toujours à égalité, on passe au tir de pénalty pour les départager afin qu'on ait un résultat et que les gens aillent chez eux et qu'on sache qui remporte. En ce qui concerne la politique au Congo et la situation actuelle, c'est différent de la prolongation. Nous avons affaire à une barbarie et à un jeu mercenarial. Vous savez que le mercenaire n'a qu'un seul but, c'est piller, c'est tuer, c'est voler et emporter. Malheureusement, le mercenaire que nous avons ne veut pas emporter et rentrer chez lui. Il veut piller, occuper, démanteler et demeurer le maître de cérémonie jusqu'au bout. Alors, la date d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une date butoir parce que ça a été une date déplacée suivant l'entendement de ceux-là qui se complissent la situation actuelle. C'est une date au-delà de la date butoir constitutionnelle.
les soi-disant deux mandats qui lui seraient donnés par la Constitution ont déjà expiré. Et ce type, tout ce qu'il fait, c'est hors mandat. Donc c'est quelqu'un qui est hors la loi, que nous devons arrêter, juger et au besoin, pas même au besoin, mais selon la loi, exécuter. Parce qu'il s'impose par la force et nous ne pouvons qu'utiliser la force pour nous débarrasser de lui, de ses complices et de tout le monde qui espère qu'ils vont continuer à se réjouir des biens du Congo. Alors, le perspective d'avenir, j'ai déjà répondu, je pense, quand si en les cas gens. Il n'y aura pas les élections. Oui, donc, en cas où il n'y aura pas des élections, parce que. Sur les mesures proactives. Oui, les élections d'abord, dans la situation actuelle, n'est pas le but de tout Congolais normal. Okay. Je pèse bien mes mots, de tout Congolais normal. Oui, sans doute, les téléspectateurs vont me dire que non, donc ils nous traitent, nous, des anormaux. Oui, toute société a des normaux et des anormaux. Et dans la plupart des sociétés, les anormaux sont nombreux. Parce que les normaux, c'est toujours une minorité, et les anormaux sont une majorité. Et la majorité qui comprend écrase souvent les anormaux. Et c'est ce qui se passe présentement, par exemple, les anormaux normaux des PPRD. Je dis bien, ils sont des anormaux normaux. Ils savent ce qu'ils cherchent et ils écrasent la majorité. Et si l'on doit aller dans la logique des mots, il y a des anormaux qui sont fanatiques, qui ne comprennent pas les mots, afin qu'ils ne comprennent pas la situation actuelle et qui croient que le but poursuivi par les Congolais dans la situation actuelle, ce sont des élections. En fait, je les comprends. Parce que c'est comme à l'époque d'Israël. Hein? Le peuple espère un sauveur. Le peuple est désespéré, n'a pas un défenseur, n'a pas une solution. Ou ne veut pas avoir une solution. Surtout que le peuple a toujours été dans la distraction pendant ces 6 siècles de colonisation religieuse et commerciale. Le peuple espère avoir un sauveur. Ce sauveur viendra d'où? Est-ce que vous ne trouvez pas que ce que Salomon dit, comme vous avez touché une partie qui est biblique, ce que Salomon dit, la sagesse vaut mieux les instruments de guerre. Je sais que Mobutu était mort en dehors du pays. Tous les biens de Mobutu ont été récupérés par les blancs. Mouzé est mort. Le bien de Mouzé, l'argent, est récupéré par les so-called ou certaines personnes. Maintenant, je sais que quand notre frère Jean-Pierre Bemba était arrêté, les Blancs l'ont récupéré l'argent avec tout le temps là. Quand Kabila, si vous n'utilisez pas la salle, vous ne voyez pas que si aujourd'hui Kabila mourait ou Kabila arrêté, les Congolais ne vont rien récupérer. Puisque vous n'avez rien récupéré. Parce que les Blancs sont en train de faire des calculs. Il a déjà entassé combien de milliards, tout. Il crée des problèmes. Tout ça, c'est pour remplir leur caisse. Comprenez? Alors, maintenant, vous ne trouvez pas que aussi dans le gouvernement de Kabila, les Rwandais ne sont pas 5 millions. Ils ne sont pas 1 million. Le chef d'état-major général n'est pas rwandais. Le président du Parlement n'est pas rwandais. Tous ces membres ne sont pas rwandais. Est-ce que vous ne trouvez pas que la responsabilité doit être partagée? La CED est vraiment exigée d'utiliser. Un point est que le noir, en général, est naïf. Merci de la référence que vous faites, de la référence biblique, Salomon, tout ça. Ce serait peut-être une autre interview. Je ne crois pas. Ce sont des livres qui ont été écrits. Salomon, la sagesse de Salomon ne dépasse pas la sagesse de nos ancêtres. Salomon n'a pas existé. Il n'a jamais existé. Jésus-Christ n'a jamais existé. Et la Bible n'a rien de plus sage que ce que nos ancêtres apprenaient à nos parents et ce que nous avons hérité d'eux. Bon, mais la Bible a ses enseignements pédagogiques. Okay. Ça, c'est notre contexte, sorry. Ça, c'est notre contexte. Maintenant, prenons aussi la saillie de nos ancêtres, si, comme vous le dites. Est-ce que la saillie n'est pas
n'est pas important à ce temps-ci pour ne pas perdre tous les biens, tout l'argent. Parce que quand vous me dites aujourd'hui, si tu quittes là-bas, je vais t'arrêter, je vais te mettre en prison, je vais te tuer. Même si j'étais un ange, je dis, ah, ici, il n'y a pas vraiment la coopération, il n'y a pas le kindness, il n'y a pas... Donc, je préfère rester, puisque si je quittais, on va me tuer, on va arracher tous les biens. Tout, vous ne trouvez pas que non? La sagesse fait défaut quelque part chez les politiciens noirs et africains. Je dis que nous sommes naïfs. Et dans nos enseignements, à partir de la famille, du clan, de la tribu, et même à l'école, nous devons commencer à changer cette façon d'enseigner nos enfants. Nous sommes naïfs. Hippolyte Kajambéré Kanambe, que vous appelez Kabila, officiellement, est naïf comme tous les autres noirs. Il ne comprend absolument rien. Il y a un noir qui était tyran, dictateur, et qui est resté quelque part normal dans ce contexte. C'est Idi Amin Dada, de l'Ouganda. Idi Amin n'avait jamais placé son argent à l'extérieur. Et quand on l'a chassé du pouvoir, il était devenu un mendiant musulman. Il a vécu à Jeddah, dans une des capitales des pays arabes, et il vivait grâce aux dons de ce frère musulman, parce qu'il n'avait jamais investi ailleurs. Nos présidents, nos dirigeants sont des naïfs. Et ils ne se ressourcent pas du passé. Le président fait empereur éthiopien Makonnen, Ras Makonnen, Haïlé Selassie Ier, avait placé beaucoup d'argent à l'étranger. Pendant que son peuple mourait de faim, il a failli que les musiciens du monde organisent un concert pour qu'on puisse venir ces pays en aide. Et aujourd'hui, ça a pris un élan économique et développemental. Et c'est aussi grâce à la diaspora. We are the world, we are the children. Oui. Et les Éthiopiens qui étaient à l'extérieur, qui sont revenus et qui ont fait redémarrer le pays après une trentaine d'années de guerre. J'ai besoin ou une préoccupation d'obtenir une réponse précise. C'est parce que Kabila a entassé beaucoup d'argent, comme les gens le disent. Maintenant, comment récupérer ces choses en paix au lieu qu'ils puissent aller à gauche, à droite? Ce serait le bien des Blancs. Et qu'il reste en paix, puisque les gens qui sont morts, on ne va pas les ressusciter. Et maintenant, je ne trouve pas que le chemin de la sagesse est plus mieux par rapport aux instruments de guerre. Ça, c'est le domaine des hommes de droit. Du fait que nos hommes de droit sont incapables de défendre le pays dans tous les domaines, le blanc continuera à faire ce qu'il fait. Kadhafi a laissé aussi des millions, bien qu'il a développé son pays. Et les blancs, ce sont des voleurs. Ils se sont accaparés de tous les biens. Oui. Ici en Afrique du Sud, n'en parlons pas. Ils se sont emparés de ces biens. Les Sassou Nguesso qui sont là-bas. Bernard Bongo, n'en parle même pas. Le président Oufet Boigny qui avait construit une basilique plus que Saint-Pierre de Vatican pendant que le peuple a faim. C'est la même chose. Qu'est-ce que nous devons faire? La sagesse. Les hommes de droit doivent se mobiliser maintenant pour chercher à récupérer tout ce qu'il a pu placer à l'extérieur du pays. Comment? Il y a le mécanisme des droits pour le faire. Il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans, presque, le Nigeria a intenté un procès contre une grande société pharmaceutique qui était venue injecter ou faire le test de sérum aux enfants nigériens. Et les enfants nigériens sont morts en milliards. Les juristes nigériens ont intenté un procès contre cette internationale pharmaceutique et ils ont gagné le cas et cette société se mise à rembourser ou à dédommager le Nigeria. Il faut qu'il y ait une justification de la raison d'être des facultés de droit chez nous, pas à tout moment nous sortir des hommes de droit qui sont des corrompus et qui sont incapables de pouvoir défendre le pays dans tout le domaine. Donc les hommes de droit doivent se mobiliser. Je sais que
Monsieur Laurent Désiré Kabila, avant de mourir, avait ouvert un dossier contre l'Ouganda sur le pillage et le massacre de l'Ouganda au Congo. Et la Cour internationale de justice avait reçu dûment cette plainte. C'est Hippolyte Kajambere Kanambe, entre guillemets son fils, qui a gardé ça sous le tapis, pendant que le coupable a admis que oui, je suis coupable et je vais rembourser. Mais nos hommes de droit se sont tués parce qu'ils sont tous corrompus. Donc, les hommes de droit doivent se mobiliser pour chercher à récupérer tout ce que les voleurs, à partir de Mobutu, il n'y a pas que Hippolyte Kajambere Kanambe. Tout ce que les voleurs de nos dirigeants, et il n'y a pas que Hippolyte Kajambere Kanambe, parce que tout ce qui l'entoure ont placé de l'argent à Dubaï, en Afrique du Sud et partout. Il faut qu'il y ait une commission d'enquête et que les sanctions soient prévues pour punir et chercher à éclairer les relations diplomatiques entre nous et certains pays qui gardent l'argent volé au Congo. Donc il faut qu'il y ait des sanctions quand nous allons commencer à diriger les pays, où on va dire l'Afrique du Sud, vous hébergez autant de millions déposés par Kilele, par Dr Eli, par le caméraman Jean-Marie, dans vos banques. Nous avons besoin de cet argent. Nous savons que quand l'argent est gardé dans une banque, on ne peut pas vous remettre ça en entièreté, parce que le fait d'avoir gardé cet argent dans la banque requiert certains pourcentages dans la banque. Mais l'argent doit être remis. Donc, les hommes de droit doivent se mobiliser pour prouver qu'ils ont réellement été sur le banc de l'école et président, connaissent comment les mécanismes... Président, thanks a lot, merci beaucoup. Merci. Je ne suis pas encore satisfait de la réponse. Vous parlez du droit, moi je parle de la sagesse. Or, la loi est difficile, mais elle reste exécutoire. Cela est vrai. Alors, j'ai justement voulu comprendre. Quand vous parlez du droit, moi je parle de la sagesse. Donc, vous savez que la sagesse est plus forte par rapport aux lois établies par les hommes. Donc, je crois que c'est cette position-là qui ne permet pas aux autres de dire non, nos frères, nous avons travaillé avec nos erreurs, avec nos dégâts, nous partons et puis remplacer pour continuer, nous allons voir. Moi, je crois que c'est la sagesse qui fait défaut chez les politiciens, chez les opposants africains, majorité, puisqu'ils agissent de la même manière. Et puis, nos opposants, parfois, ils terminent aussi par devenir des dictateurs. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que non? Je ne suis pas encore satisfait. Quel est le chemin de la sagesse? Puisque ici, il y a un problème de conflit. Les conflits doivent être transformés en opportunités de développement. Pas les conflits soient transformés en conflits pour les conflits de la destruction. Puisque arrêter, faire ceci, cela, ils ont une position avec les chercheurs d'argent à ronde dans le monde, l'économie de leur pays est en train d'être bouleversée. Alors, ils cherchent aussi les pays où il y a l'argent, où ils peuvent obtenir facilement l'argent. Ils viennent comme des coopérants. Ils sont là au milieu comme des serpents. Ils vous divisent. Et vous devez savoir que non. Ce que je connais, moi, étant qu'une personne vivant dans la société, les Africains ne sont pas d'avance majorité sur l'espace terrestre. Nous sommes minoritaires. Ça, je sais. Alors, et deuxième point, les maîtres des opposants congolais et les maîtres de ceux qui sont au pouvoir, il n'y a qu'un seul maître. Il leur donne des injonctions. Ils gèrent leurs biens, ils gèrent leurs pensées, ils orientent. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous devez trouver vraiment un chemin de la sagesse pour breakdown? Merci beaucoup. C'est là où je cherche. Là. Je ne cherche pas la loi, je ne cherche pas les juges, je ne cherche pas les magistrats, je cherche les hommes sages pour donner la solution. Je ne pense pas que avec un peu l'option religieuse que vous avez... Non, ça, ce n'est pas la religion. Dans notre culture, on parle les palabres sous l'arbre. C'est moi qui parle. Je ne pense pas que je vais totalement te satisfaire. C'est comme si tu as déjà une réponse arrêtée que tu as, que tu ne peux pas donner. Mais tu me permets parce que tu me poses la question. La sagesse, c'est une valeur morale. Correct. Et très souvent, là où la politique s'exerce, il n'y a pas la morale. La politique est au-delà de la moralité. Vous avez des immoraux malgré les niveaux intellectuels.
quand bien même qu'ils aillent à l'église, ils font semblant de prier et ils sont dans la spiritualité. On croit que ces gens sont sages, mais l'ego de l'homme va au-delà de la sagesse. Ouais, ça. Alors, quelle est la solution maintenant? Là. Je trouve que c'est comme, il n'y a pas une solution, vous allez commencer à vous battre. Donc, c'est comme on dit, une génération s'en va, une autre remplace. C'est que y a ceux qui sont là-bas deviendront des réfugiés, ceux qui sont en refuge deviendront les chefs à un moment donné. Ça veut dire il n'y a pas les mécanismes de transformer les conflits en opportunités de développement. Donc, il n'y a que vengeance sur vengeance. Il y a ceux qui sortent, il y a ceux qui sont entrés. Donc, vous ne trouvez pas que ça va se perpétuer? C'est là où je parle. Est-ce qu'il n'y a pas un chemin de la sagesse? Où sont les sages au Congo? Où sont les politiciens sages? Les soi-disant sages sont là, mais ils sont écrasés par l'immoralité. Là où il y a l'argent, la sagesse domine. Non. Là où il n'y a pas l'argent, là où il y a l'argent, la sagesse tombe. Je sais qu'un homme sage peut diriger l'homme riche. Ça, c'est dans le cadre religieux. Je le répète et je demande une tolérance. Oui. Une tolérance que le monde n'est pas dirigé par ce que tu crois. Le monde est dirigé par l'ego, par l'égoïsme. C'est ça le monde. Et par les rapports de force. Ça, c'est vrai. Oui. Aussi longtemps que nous ne nous armons pas physiquement, moralement, intellectuellement, la sagesse qui fait partie de la morale ne va pas compter. Quand George Bush doit aller bombarder l'Irak, tuer les Arabes, les Irakiens. Mais quand il suit son interview et il dit « I thank God and I want the priest to pray for my daughter, for my wife, for my friend. » Il évoque Dieu devant l'écran. Mais parce qu'il veut aller s'emparer des ressources énergétiques de l'Irak et d'autres pays, la sagesse n'est pas là, la religion n'est pas là, la morale n'est pas là. Il veut manger. Et c'est là où j'évoque l'illustration de la jungle et du parc. Quand vous êtes dans un parc animalier, quand vous êtes dans la jungle, quand les lions veulent manger, quand les carnivores veulent manger, mais il n'a pas besoin de savoir que tu es un animal comme lui. Il vient, il te mange, il te tue, quelle que soit ta taille. Les lions, les léopards, ce sont des petits animaux comme ça, quand vous le voyez. Merci, merci. Ils se jettent sur l'éléphant, sur le zèbre, sur tout animal qui est gros et grand, et ils le mangent. Et le peuple noir, le noir que nous sommes, vous avez dit nous sommes minoritaires, mais quand nous sommes présentement minoritaires parce que nous avons été massacrés. Mais il est vrai que nous sommes un peuple fort parce que nous avons résisté. Je voulais donc dire. Fort aussi dans la médiocrité, fort aussi dans la bassesse. Nous devons commencer à nous dans tout ça. Je voulais donc dire que le peuple noir doit commencer à cultiver et à recultiver la philosophie de la défense, de l'offensive et des rapports de force. Nous n'allons pas continuer à exister si nous ne sommes pas capables de nous battre contre l'ennemi et contre les voisins. Qu'ils soient de notre famille, qu'ils soient de notre clan, nous devons cultiver en nous le système de défense animalier. Quand les animaux sont dans les parcs, et ça renvoie dans la théorie un peu raciste, la théorie du naturaliste anglais Charles Darwin, qui a parlé de la survivance des plus aptes. Quand vous dites que nous sommes minorités, ça signifie que nous n'avons pas été aptes par rapport aux menaces et aux invasions des autres animaux humains que nous sommes. Nous devons nous relever pour faire face à l'invasion d'autres animaux. Alors, aussi longtemps que nous ne nous défendons pas, notre espèce va disparaître. Et quand vous allez à travers le monde, vous allez rencontrer que les autres races qui ne se sont pas défendues ont disparu. En Amérique, les peaux rouges de Mexique jusqu'en Argentine, Chili, ont disparu. Il y a les soi-disant, entre guillemets, blancs qui les ont décimés, tous. Quand vous allez en Amérique, vous allez rencontrer une minorité. S'ils sont nombreux, je ne pense pas qu'ils dépassent 2000. Président. Quand vous allez en Australie, quand vous allez en Nouvelle-Zélande, les Occidentaux ont décimé tout le monde. Ça, c'était les terres de noirs. Oui. Donc,
J'ai compris que non, il n'y a pas le moral, il n'y a pas l'intégrité. C'est comme les animaux. Il y a l'ego. Oui. Donc, il n'y aura pas une paix. Cela veut dire, ouais, nous nous sommes préparés à vivre sur une terre où il n'y a pas la paix. C'est ça, ça explique. Et sur ce, ouais, les Noirs sont appelés à disparaître step by step, ouais, petit à petit. Aussi longtemps qu'ils n'apprennent pas la donc, technique de défense. Justement, ce que Santé dit, la vraie technique de défense, c'est utiliser le chemin de la sagesse dont les présents en train de dire, non, ça c'est un élément biblique. Si je peux quitter la Bible, je peux venir aux palabres. Je sais que nos ancêtres, il n'y avait pas la démocratie, mais ils avaient plus que la démocratie. C'était la seule qu'ils utilisaient. Moi, je trouve que les politiciens noirs, comme Congolais, vous ne donnez pas la solution à la société. Ou bien on va vous évacuer, qu'on trouve une autre génération. Puisque vous ne donnez pas les chemins de solution, vous ne donnez pas un chemin de paix. Et vous dites que non, le noir, nous devons être éveillés, nous devons... cela veut dire, Rwanda et le Congo, c'est les deux fesses qui s'affrontent, mais qui ne vont jamais se séparer. C'est leur nature. Alors, les autres sont en train d'entasser les conflits dans les différents domaines politiques, militaires, économiques, je ne peux pas dire scientifiques et technologiques, puisqu'ils n'en ont pas. Alors, maintenant, il y a les conflits à l'intérieur, il y a les conflits à l'extérieur. Alors, vous-même, vous êtes incapable de porter la solution dans le niveau où vous êtes en train de travailler, dans le niveau de vos partis politiques, niveau national. Et comment vous prétendez diriger le pays? Vous voulez les diriger pour aller en enfer, la destruction totale? Puisqu'il n'y a pas un chemin de solution. Il y a des chemins de solution, nous sommes en train de les donner. Et j'en avais parlé plusieurs fois dans des interviews précédentes. La situation dans laquelle nous vivons, je le répète, et que les téléspectateurs et les internautes, je demande leur indulgence que je répète ça. Cette situation n'est pas une nouvelle situation, n'est pas exceptionnelle pour le Congo. Il y a des pays qui ont vécu dans la même situation que nous. Et la solution ou les solutions qu'ils ont prises, c'était l'affrontement ou la confrontation avec l'ennemi. La situation dans laquelle nous vivons est similaire à la situation de la France d'avant 1789. La France avait été gérée par ou régie par des monarchies, correct, par des royautés, jusqu'à ce que Napoléon Bonaparte a proclamé l'Empire. Le peuple congolais est écrasé par des sectes Illuminati, par des sectes maçonniques et par... Par là, je voudrais dire, nous sommes sous l'emprise de la terreur maçonnique. Est-ce que tout le monde ou certaines personnes? Non, je parle de la soi-disant, entre guillemets, l'élite. Parce que dans la sémantique du mot élite, on dit un groupe de gens qui sont propres, correct, et qui ont des visions pour diriger une communauté. C'est ça le mot élite. Mais l'élite que nous avons, c'est une élite corrompue, maçonnique, qui est motivé par l'ego, qui manque l'altruisme et qui ne voit que leurs propres intérêts au détriment de la majorité. Et c'est ce qui était à l'époque avec la France. Et vous êtes OK plus que... Moi, je suis OK. Je ne suis pas maçon. Je n'appartiens à aucun groupe maçonnique. Je suis un Mulega de la tribu Lega, l'unique groupe ancestral qui était chez nous, ça s'appelait les Boamé. Je ne peux pas m'appeler pour le moment Moamé parce que je n'ai pas été initié au Boamé. Okay. Mais les Boamé voulaient du bien à la communauté Lega. Et vous trouviez ce genre de groupuscule spirituel ancestral dans toutes les tribus africaines. Alors je reviens. Moi, je vais atterrir. Oui. Vous m'avez positionné pour que j'aie cette question. Vous savez pas que... Moi, je crois. Oui. Comme les autres sont mauvais, sont compliqués, sont maçonniques, ainsi de suite. Vous êtes bien. Vous ne trouvez pas que c'est les gens qui sont justes, c'est les gens qui sont bien qui détruisent le Congo?
Je ne pense vous les justes. Non, les hommes justes et les hommes intègres qui ont une bonne moralité. Vous comprenez que la destruction du Congo est entre vos mains. C'est vous qui détruisez le Congo par rapport à ces gens-là. Vous savez pourquoi? Bon, je ne veux pas nier ce que tu dis, mais il y a des individualités. Beaucoup de gens entrent dans des loges pareilles quand ils sont pauvres. Ça, c'est un. De deux, d'autres, ça émane de leur famille. L'ancêtre, le papa, etc., a été dans cette histoire. Je ne veux pas me taper la poitrine, mon très cher compatriote Dr. Eli. Moi, j'ai vécu. J'ai une maison, petite soit-elle. J'ai une femme. J'ai des enfants. J'ai géré. J'ai travaillé. Et tu continues à travailler. Et je continue à travailler. Et tu continues à gérer. À cet âge, et même bien avant, parce que ça fait une vingtaine d'années, ça fait 29 ans que moi je gère. Je ne vois pas, malgré mon égoïsme, mon envie, qu'est-ce qui va m'émerveiller. Dans l'Afrique, dans le Congo, il y a une politique d'appauvrissement du peuple. On vous appauvrit d'abord. C'est une condition sine qua non. Et on vous amène... Qu'on leur a donné dans le monde de quiétisme. Oui. On vous appauvrit d'abord. Vous êtes un chien qui a faim. Et on vous balance. C'est ce que Pavlov... Le complexe de Pavlov. On vous montre un morceau de viande. Si tu ne manges pas ça, tu vas crever. Il n'y a pas la solution. Alors, tu voudrais... Si tu voudrais manger cette viande, rejoins-nous. Viens dans la franc-maçon. Ah, quand tu dis oui, la franc-maçon, bon, écoutez, tu voudrais devenir franc-maçon pour avoir tout, pour être nommé ministre, avoir une voiture, avoir ceci, cela. Bon, tu dois coucher ta fille. Tu dois accepter qu'un homme te couche par l'anus. Tu dois sucer mon pénis. Tu dois tuer un membre de ta famille. Et c'est fini, tu deviendras. Tu vois tel. Tu vois tel ce qu'il est devenu. Il a des avions. Tu deviendras comme lui le lendemain. Ouais. Tu es un chien qui crève. Tu vas mordre la maison. Je reviens à ma question, président, des PNC. Oui. Donc, c'est là où je suis en train de dire. C'est les justes qui détruisent le Congo. Je ne pense pas. C'est les hommes ça qui détruisent le Congo. Voilà, je m'explique. Quand vous avez les tools, vous avez l'équipement, vous comprenez que ces gens-là ne font absolument nothing. Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour faire le bien, pour être sur le terrain, pour faire le bien, puisque les autres sont en train de faire du mal. Et vous les laissez continuer à faire du mal. Et vous n'avez pas la solution pour faire le bien. Si les autres sont en train de faire du mal, vous avez un parti. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'implémenter la vision de votre parti, même à 5, 6 personnes? Je vois que vous avez beaucoup de gens ici, comme au Congo. Commencez même par 50 personnes. Commencez dans les 50 personnes, commencez à faire le bien. Je sais que vous êtes les premiers Africains congolais qui a implanté l'école ici, en Afrique du Sud, après l'apartheid. Cela est vrai. Cela est vrai. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vous empêche à faire le bien puisque les autres sont en train de faire le bien? Puisque quand les gens qui savent faire le bien, ils croisent les mains, ils sont en train d'observer ceux qui font le mal, continuent à faire du mal, vous êtes en train de les juger, vous êtes en train de les critiquer, et ils disent, ils peuvent continuer. Disant c'est sinon, il n'y a personne aussi pour nous aider, pour nous faire sortir dans le clitisme. C'est vrai ce que vous dites. Une fois aussi, j'ai pensé que non, beaucoup de dirigeants africains, ils sont liés, ils sont tight, ils sont esclaves. On les a liés sur le plan spirituel, ils sont liés sur le plan technologique, et diplomatique, et politique. Et donc, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils sont... Donc, maintenant, vous qui connaissez l'affaire, pourquoi ne pas les délivrer? Vous êtes en train de les condamner, de les maltraiter. Donc, vous êtes en train de détruire. C'est là où je dis que vous avez besoin des conflicts transformation to opportunity of development. La transformation des conflits pour l'opportunité de développement. C'est ça. C'est une bonne théorie. C'est pas une bonne théorie. Ça, je sais que c'est pas facile pour arriver, mais c'est l'homme qui doit toujours arriver. Et c'est simple. Nous y travaillons, nous tous. Correct. Mais pour ne pas exagérer ou m'extirper dans cet argument, tu dois savoir que... Non, je ne m'extirpe pas. Donc, vous êtes toujours là. Le pouvoir au monde est géré par le mal. Il faut savoir ça.
et le mal a pris en otage l'intelligence de certaines personnes et le bien. Pas de tous, mais de certaines personnes. Sans doute, je dis bien la majorité du pouvoir est entre les mains de la majorité qui est mal. Merci beaucoup. Puis il y a aussi la minorité. Le bien est minoritaire. Mm-hmm. Correct. Juste deux minutes pour te dire que toutes les guerres du monde, je vais parler de la première guerre et de la deuxième guerre, même la révolution française, même la révolution russe, sont l'émanation de la terreur juive, ce qu'on appelle les Khazars. Les Khazars que vous, les chrétiens, vous adorez, c'est un peuple qui habite... On n'adore pas un Khazar, on adore les créateurs du ciel et de la terre. Écoutez, les propriétés de votre vie, président, les pensées. Je te les concède. Je voulais donc dire que c'est un peuple qui habite le sud de la Russie, dans un état nouvellement créé qui s'appelle la Géorgie, non loin de la Crimée. Ce sont ces gens qui ont émigré partout à travers l'Europe en tant que des marchands, des vendeurs. Ils ne sont pas les vrais juifs aussi. Oui, je ne veux pas abonder dans tout. Pour ne pas dévier le contexte. Oui, le contexte. Nous sommes en train de parler sur ce qui se passe au Congo. Ce sont eux... Là, je suis en train de détailler l'esclavagisme des politiciens congolais. Ce sont eux que vous êtes. Qui se sont emparés de l'économie anglaise, de l'économie française. Et je ne peux pas t'en dire autant. Je ne peux pas t'en dire autant. Vous avez la famille Rothschild qui dirige le monde financièrement. Ce sont eux qui contrôlent l'économie française, ces pays qui contrôlent l'économie anglaise et qui contrôlent l'économie et la banque américaine et qui contrôlent le monde. Ce sont les Khazars, ce sont ceux-là qui s'appellent faussement les Juifs qui ont acheté et arraché la terre des Noirs, la Palestine, l'ancien Canaan, qui appartenait aux Noirs parce que Canaan était un Noir. Vous voyez ça? Dans votre Bible de référence, livre de référence, la Bible. Ils sont venus, ils ont arraché ces pays et ils se sont installés pour créer le pays que vous appelez Israël, le pays de Dieu. Ça, c'est les arguments du président de PNC. Donc, ça, c'est sa responsabilité, selon sa connaissance. Ça lui engage, ça n'engage pas la Bible, ça n'engage pas les chrétiens, ça n'engage pas la spiritualité chrétienne. Merci beaucoup, président. Vous pouvez continuer. Merci, je continue. Ça engage la Bible de mensonge, ça engage le chrétien et ça engage la spiritualité de ceux-là qui croient en la légende et au mythe biblique. Donc, ça engage ça et je suis prêt à être trahi dans une cour pour défendre ça, éprouver ça, et je ne serai pas le premier à le faire et à le dire. Sauf que le Seigneur ne nous a pas permis d'amener les gens au cours. Donc là, vous êtes libre. Bon, écoutez, votre Dieu qui a créé le ciel et la terre, ça c'est son problème. Merci beaucoup. Je n'ai rien à voir avec lui. Si c'est lui qui m'a créé, il a le devoir, de pacifier le Congo. Si le Congo n'est pas pacifié, ça signifie que Dieu n'existe pas et les Congolais n'ont pas raison et droit d'adorer un Dieu qui a peur et qui est irresponsable, qui a démissionné, qui n'existe pas et qui doit détaler de notre territoire parce qu'il nous a abandonnés. En fait, Dieu n'a jamais existé parce que s'il existe, il doit nous dire où est-ce qu'il était avant de créer le monde et la terre. Président, c'est le 23 décembre. On veut savoir votre motivation. Comment vous réagissez devant la situation, le cas des élections qui doivent se passer? Merci. La date d'aujourd'hui n'est pas une date importante pour le Congolais. Ce n'est pas une date butoir. La date butoir est passée il y a de cela 2 ans. Cette date, c'est une date arbitraire. Qui ne peut pas être marqué dans les annales de l'histoire. On doit, par contre, jeter ça dans la poubelle de l'histoire, que nous avons eu affaire à une barbarie, à un hold-up, donc une prise d'otage du pays et de son peuple. Et donc, ce que le peuple doit faire, c'est comme je venais de le dire à mon confrère
Docteur Elie, notre situation est similaire à celle de la France. Les Français, après tant de souffrances, après avoir été tourmentés par les Illuminati, par la monarchie, les Français sont descendus dans la rue. C'est ce que certains ont proposé en la place là, les soulèvements populaires. Les soulèvements populaires ont un vocabulaire métaphorique de la révolution populaire. Ce que nous devons faire, c'est affronter les ennemis du peuple, nos ennemis à nous. Ça ne demande pas que ça soit qu'il est, parce que je sais que ceux qui sont du pays diront que ben, il est à l'extérieur, il ne vient pas ici. Mais à l'époque, il y a eu des Français qui étaient à l'étranger et qui ont continué à propager des idées comme nous le faisons, qui ont motivé le peuple au pays. Je demande donc à tous mes compatriotes de descendre dans la rue, partout où ils sont, au village, pour affronter les ennemis, comme les Français l'avaient fait en 1987. Ils n'ont pas attendu que le professeur d'université descende, que celui qui a des armes descende. Ils sont descendus, mains libres, dans la rue, pour affronter la monarchie. Nous devons donc nous emparer. Certains, quelqu'un a demandé la solution. Nous emparer, parce que nous connaissons ceux qui nous font du mal, nous emparer de ceux-là qui nous font du mal. Les tuer, les brûler, les guillotiner et les manger. À l'époque, il y a eu ce que l'histoire a retenu comme étant la révolution rouge de Robespierre avec son ami Danton et le reste qui ont fait régner la terreur à l'époque de la France. Ils ont guillotiné le roi Louis XVI et sa femme. Et tous ceux-là qui soutenaient la monarchie, ceux-là qui étaient contents, qui mangeaient bien, qui avaient le salaire en France. On a même appris à l'histoire que le roi mangeait 12 poulets, 14 poulets, pendant que la population n'avait même pas du pain. C'est la même situation. Nous devons tuer Kimbuta. Nous avons tué les ministres, nous devons tuer les parlementaires, nous devons tuer les sénateurs, nous devons aller dans leur maison, les prendre, les tuer, brûler leur maison, les manger, si c'est possible. Il n'y a que ça qu'ils vont comprendre. Et nous ne serons pas les premiers à le faire, parce que comme je viens de l'évoquer, la France l'a fait. L'Amérique était sous l'emprise de la couronne britannique à l'époque. Il y a eu la guerre d'État Nord-Sud, en Amérique, pour se débarrasser de l'emprise de la couronne britannique. Après ça, il y a eu aussi d'autres petites guerres, d'autres affrontements par-ci, par-là, et l'Amérique s'est détachée de la couronne britannique pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Nous ne cesserons jamais d'évoquer des exemples que la Chine a été dérangée par les capitalistes quand ils ont soulevé Chiang Kai-shek, un autre Chinois, contre la terre-mère et contre le leader chinois de l'époque, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung a organisé et réorganisé les paysans pour se battre et mettre fin aux corrompus, comme tu sais que tu dis, aux corrompus comme Kamer, aux corrompus comme Martin Fayulu. Ils ont mis par terre Chiang Kai-shek et ils ont récupéré la Chine de Formose que vous appelez aujourd'hui Shanghai. Ouais, ça. Et quand vous allez dans les décorés, les Américains ont injecté, les Occidentaux ont corrompu certains dirigeants pour partager ces pays. Aujourd'hui, une cinquantaine d'années après, vous voyez qu'il y a des changes maintenant de familles du sud au nord et du nord au sud. Ils cherchent à se réunir comme étant un seul pays. Mais à l'époque, la Corée du Nord avait été tourmenté par les mêmes capitalistes et les mêmes Illuminati. Il a failli qu'un homme tel que Kim Il-sung se lève. Le grand-père de celui que vous appelez aujourd'hui Kim Jong-un, le jeune là, pour que la Corée du Nord se réalise. Donc, il y a là, je sais, un manque de leadership. Ça manque. Ce que nous avons au pays aujourd'hui, ce ne sont pas des leaders. Parce que nous avons une opportunité en ce moment
pour qu'un leader sorte comme qu'il est l'effet pour le moment, bien qu'il soit loin. C'est à ce moment, c'est l'opportunité que le soi-disant Félix Tshisekedi devait se lever. C'est à ce moment que Martin Fayulu, c'est à ce moment, je ne peux pas parler de Camerounais parce qu'il n'est pas congolais, c'est à ce moment que les autres soi-disant candidats devaient se lever et parler un même langage, je dis bien nationaliste, ne me parle pas de la démocratie, un même langage nationaliste pour s'adresser au peuple, parce que le peuple est à la recherche d'un leader. Le cherche attend un message. Et c'est le message que Kylian le lance. Le peuple attend un message que tout le monde descende dans la rue. Que tout le monde s'empare de nos ennemis. Ça signifie les membres du gouvernement qui sont complices de l'occupation. Ça signifie les occupants qui proviennent d'ailleurs. Les Rwandais, les Burundais, les Burundais, les Ougandais, les Érythréens et les Éthiopiens, nous devons nous emparer d'eux. À main libre, Kobangate, j'abonde maintenant en Lingala, Kobangate, il faut tout Lukabango, tout Kangabango, Namaboko, tout Bumabango, c'est ce qu'il faut. C'est en ce moment que ceux qui croient, qui se prétendent qu'ils sont leaders, devaient profiter pour émerger comme étant des leaders. Nous n'avons pas de leaders, nous avons des homosexuels. Ouais ça? Nous n'avons pas de leaders, ce sont des corrompus tous. Raison pour laquelle Robespierre avait tué des gens. Parce que s'il n'y a personne qui peut dénoncer l'occupation, l'invasion, la souffrance du peuple congolais, comme Djamadari Vibikir Kilele l'a fait pour le moment. Alors, ne croyez pas à ces gens. Il n'y a pas de leader là-bas. Banamboka. Date Oyo, Ezali, date Nabisote. Et nous ne devons pas fixer rendez-vous avec eux. Nous devons commencer à nous attaquer à eux partout où ils sont. Ma prolongation est comme Mingit. Toi, on a besoin de ma prolongation T. Nous n'avons pas besoin que ce soit dans 2 semaines, dans 1 semaine. Nyoso, un jour, c'est un mensonge. Biso Nyoso, to kita, to bomabango, mingi kati na biso, bako kwea. Cela est vrai. Kasi mingi kati na biso, bako kwea, deja na banzala. Naba viol, on nous tue. Bo bangali susu eloko mokote. Ne parlez pas de votre Dieu d'Israël parce qu'il ne vous a pas aidé pendant tout ce temps. Ne parlez pas de votre Jésus-Christ. N'allez plus à l'église pour danser parce que ces gens, ces deux personnalités mystiques n'ont jamais existé et ils ne nous ont jamais aidés. Ne nous parlez pas de la Cinco, des négociations, des glissements parce qu'ils ont dit Cinco, Nemoto, et Tia Kabila n'a pouvoir. Cinco, Ezali Abissoté. Qui dit Cinco, dit le Vatican. Le Vatican, c'est un empire d'occupation. C'est un empire de domination et de vol. Vous voyez ça? Donc, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Nous, il n'y a que nous seuls. Les Vietnamiens ont fait la même chose. Les Vietnamiens, en 1967, ont été envahis par l'Amérique. Vous vous rappelez, à l'époque de Mohamed Ali, boxeur, champion du monde, bah, il sait que Akeneko Bunda, na Vietnam, alobi, je ne peux pas aller tuer les gens des innocents. L'Amérique voulait s'emparer du pétrole vietnamien. Bah, vietnamien, bah, ça, mi kousse boy. Biso, otozo, kumi beta tolo, tosa, mi laï, 1m80, 2m. To bundat. Au lieu que tout ça, kakaba, bah, pomba, ya meto, potozo, la la basi. Tu vois ça? Il faut au bunda, ba soldat congolais, bino ba tuboza yo kangabiso po tuzangi, ba carte de citoyenneté, boza wapi. Que ba rwandais ba tuboza squelettique, boza nyata ko, ko yiba ma binu kite, bo bete ma ngoma sase. Le jour où ce pays va se réorganiser, bo koya les sous sous qui de général, qui de lieutenant, qui de major, bozali na ba titre, po na ba sikaka. Omono wapi ba militaire, ba tiaka ba choko. Hein? Quelle est votre motivation pour vous dire Bachoko? Au monde à Wapi? Naba chenette partout. Bozo vous dire Bato, le net ingaï, enseignant, pour vous dire chenette. Bamona. À l'époque de Mobutu, Mobutu a dit soldat à l'ombaka solo, Yazamba. Peut-être que vous avez bango, que vous avez DSP. Mais Oyobino, Bozana Choko,
ambi boti yango na kati ya elongi comme la plupart des ministres de Kabila soit disant Kabila bango tout batela elongi bozo kotia ba chenette ya nini. Vous êtes des soldats pour les femmes ou quoi? Pourtant, serment et salaka, makila na biso, pona ekolo. Bo abandonné biso, bino ba soda, bo sa la sonne, ba faux soda qui se font appeler des cordons, des généraux, des lieutenants, des seguettes, ba faux militaires, des escrocs, bateaux, ba yekoko. Qu'on défenestrait Bissot et vous, vous êtes là, vous ne faites rien. Enlevez vos tenues. Bosala. Bosala. Botia Maputa. Poto Lumabino. Poposa Basodate. Ba Berepe Angobolo. Angobotia Bamechena Baperu qui bosa Tinate. Ba faux soldat. Comme vous l'avez dit, Edmond Mutombo. Nazali Congolais. Nazali membre ya PNC yango na ina yebake ide na yo eza nini na makamu nyoso eza koleka na mboka na biso na lobaki liboso ke Congo ezali pays moko ezali sous emprise ya religion na commerce depuis kala ba yebisa biso ke Yesu akoya lelo lobi lelo ezali plus de 2000 ans ayakate ezali même méthode ya ba élection ça fait 2 ans élection 2 ans ici. Le roi va bien non une semaine et puis un mois. Et ça y est, on a besoin d'accord d'élection. Puis y est, on a quoi y être. Tu sembles la mingue, bah koko, bah kufa, bah zela kayeso. En venant accorder, type on a. À qui n'en a y a zon garanti. D'abord à quoi y a on a manqué le coup ça. Ce qui existe, bah bête le coup tout général on a terre. À quoi zon garanti? À quoi y a président, à quoi y a. Soka zaka soka likolo soka wapi zaka na caméra ne soka tali kaya. À moni film on a bah bête le coup tout général. À quoi zon garanti? Akoya président tous à la condima. On est allé. Alors c'est la même chose. Nous tous en avons élection. Tondima makambo et reporte parce que ce n'est pas nous qui contrôlons bah élection. Tous à na armée. Tous ali na service de sécurité. Bah ministre Nyoso bazali corrompu. Ndeko docteur Albaki que non mais Kabila les Rwandais ne sont pas plus de 500 quelque chose. Le pays. Mais j'ai dit que toujours une minorité écrase une majorité. Bisso majorité congolaise, il faut se koyo tous se révolter. Autuni tous à la nine. Il faut totalement. Il y a des gens qui utilisent le terme la mouka parce que la mouka ça bien parce que bah tu balala la na religion. On a appelé mboka bato. Ah. Ouais. Tu sais que depuis là-bas, bolala. Pongi ba bébé. Tu vois ça? Au monde api mboka bato bazoko souffrir. Mais bazoko en église, bazoko bina bazana esengo. Bon, comment vous souffrez alors que vous avez faim? Comment vous souffrez, vous n'avez pas un endroit où dormir? Vous voyez que vous avez affaire à un peuple envoûté. C'est un peuple envoûté par les Illuminati. Vous voyez ça? Kimbuta, maire de la ville de Kinshasa. Bapoubel eleka mo ruenzori na hotel. Mais vous voyez des Congolais bazoko no betele maboko ya André mais solo na ville mobimba ngungi partout, il fait chaud partout, mais vous voyez des gens qui vont applaudir Kimbuta. Alors vous voyez que vous avez affaire à un peuple anormal. Je reviens sur ces mots, c'est un peuple anormal. Alors, tolingi, to la musabango, po ba longwa na domaine ya anormalité, si ka bazali, ba mounake, bazoko souffrir. On ne peut pas se mettre à rire, soki moto, azoko tio makonga, et puis toi tu rires, tu danses. Est-ce que ça moto? Ndenge ozali opposant na kati ya mboko yo. Mais ba opposant misusu ndenge ba yaka, beaucoup ta na kana bango. Na comment éviter combo ou bien adjectif et opposant? Sinon, on va m'apparenter à Tshisekedi et aux autres groupes qui sont là. Et je suis un nationaliste. Bon, vous pouvez m'appeler
que je suis un agitateur, ça va, mais soustrais-moi de la domination, de la dénomination d'opposants. Je suis un patriote, un nationaliste, parce que les opposants sont tous des corrompus. Tous des corrompus. Le lobe à toi, Zokolanda Fayoulou. Mais Fayoulou, c'est un garçon de course de Roubaix. Je l'ai dit plusieurs fois. Tout ça, il y a un dossier dans les mingi. Ouais, ça. Bato Bolanda Fayoulou, ne soyons pas fanatiques. Bo telema, to bunda, na ba occupa Barondé, Burundi, Ougandé, na Fayoulou, na batonaye. Parce que ce sont eux qui reçoivent de l'argent. Ce sont eux qui nous font endormir. Bo tala Fayoulou. Et si quand nous sommes comme à quoi il a m'appelé, à baiser m'appelé, n'est-il pas par Roma, à ti ma boko l'icolo, naïve tout ce qui nous a mené à Zakana l'icolo, ce qu'à Zakawapi, tout ça c'est pour vous endormir. Oyoki, moi si, il y a soin disant Kabila, Métis Wana, comment il s'appelle encore Olive Lembe, elle dit votez Chadari, Chadari Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu na yona azaliwapi pendant 20 ans ba kongolo ba zumo na boale. Dieu avec nous, c'est la corde la plus facile o bazo ko tirer ba bino kongolais azalaka croyant kongolais anima kanzambe soko lobi kama kambo ya nzambe ya catholique akobosa na mabe nyoso ozo ko sala ye oya na tonga oya na mbeli akoba bomanga kaka osilo ndake nzambe azali. Parce que bazana nzebo na bango bonganga na nzambe bonganga opération sans effet bonganga na sam opération sans effusion du sang alongola soki ba côte ya dame ya sala Eva mais le loyo mibali bazaka toujours na ba côte na bango ata côte moko ezanga kate oyo côte ya kineko ku créer na ngo Eva ba côte na biso nyoso soki zali 6 soki zali 8 nyoso za kata moko ezanga kate et les gens croient à des bêtises comme ça. Alors, vous voyez des gens que Martin Fayoulou, au moins, nous avons dit, Félix, tu sais ce qu'il dit. Il n'y a pas question, s'il n'y a pas des élections en cette date-là, au Costa Rica, ben, le peuple doit prier. Comment un homme comme ça, qui se dit leader, doit dire que les gens doivent prier? Kassai Nabiso, Babomi Bato Bebo, Félix, tu sais ce qu'il dit, devait être à l'avant-garde pour dénoncer et pour dire à tous les Kassaiens. Ce qui va venir au Sir Sabiso, Basir Sabiso, Top Bunda Nabango. Il n'a jamais été là-bas. Il n'a jamais dit quelque chose pour condamner, qu'on dit nos frères, nos sœurs, nos mères, nos grands-mères, nos grands-pères au Kassai. Il n'a jamais dit quelque chose. Ni Martin Fayoulou. Tout le monde, personne ne condamne ce qui se passe au Kassai. Personne ne condamne ce qui se passe ailleurs. Ils veulent tous avoir des postes de premier ministre, vice-premier ministre. Tozali n'a besoin n'a biloko anate. Bana mboka biso tout totalement pour nous battre, c'est tout. Makambo ya élection ezali te boycotté, rejeté d'une manière catégorique. L'idée des élections, effacez ça dans vos têtes. Je vous demande de formater vos têtes. Bolongola idée, il y a élection, il y a démocratie, il y a lukuta qui n'a rien à voir avec notre propre destin, nous les Congolais. Je le répète pour utiliser un terme informatique. Formaté. Bolongola baide nyoso. Il y a démocratie. Na, il y a élection na Congo. To bunda kaka, bozoa ma konga. Bozoa masoka. Bozoa ba kuto, bambeli. Bozoa ba épée. C'est tout ce que nous devons faire. Et puis bino bandoki à Congo. Bozana tidate. Bozana tiba militaire à Congo. Bandoki ya Congo. Soit qui ne connaît Ali, soit yo zo kolia matembele. Sans savoir que matembele za iloko ya kitoko. Pundu za ezali médicament. Okobuma ne connaît po Ali soso na nyama. Ki sina bino ezali wapi? Na bakake ya Kasai. Na bakake ya Bashi Banyabungu, Banyabungu ya nani ya Kivu. Me bakake bozana yango. Na ba mbeso bozo kubake la soki mbaso soki mbeso bozo kubake la bato na kisasa. Mais vous faites quoi avec Kindokinyo soana bozo boma Hippolyte Kanamete bozo kubuma barwandete? Vous voulez nous dire que basokoto
nababote balataka yango yango nde ezalaka antichoc ya bakisi na biso. Où êtes-vous naba kisi na binu bosaka nango bato ya bandundu to, hein ba chef kutimie bozali wapi ke banyati biso pendant 20 ans hein? Où êtes-vous bakoya bayeli binu kazaka kazaka nde ko sauver binu kindoki na biso ezali wapi mais utiliser le kindoki bozo sani na kindoki wana vous faites quoi kaka kolia kolia l'anthropophagie c'est tout ce que vous savez. Mais ça, c'est grave, ça. Boza wapi. Bo utiliser kindoki nyoso. Bobo mabango. Bobo mabango meona eya na bandunu. Bobo mayango. Mais ça ne va pas avec ces gens. Je vous ai dit que nous sommes envoûtés. Les gens sont distraits. Mais c'est grave, ça. Mais président Yoza Muto, ou me l'ambou yo, yebi moi ba stratégie belé. Oko yipe kouvana na ba congolais, na bandeko na ou moussousou, ba opposant. Bozo wapé stratégie. Pour la kokabouana la solution te faut bo bengani bo yebelo ni pe boko sala pour la mboka iza te o yaza na coin kuna o ya sali équipement na ekotoyo na batunaye hein mais mboka iza ko kende bino boza ko mibenga ba opposant o ya mibengi soki président o ya mibengi soki nani mais solution ni boko ko zoa boko o vande sika moko te boyoka na pona ko bongisa mboka Lazana nga millionnaire te mpona yiba te parce que pour être millionnaire il faut qu'on yiba et pour être millionnaire il faut qu'on inventer ouais ça et pour être millionnaire il faut qu'on boma na boma nga bato te na yiba eloko te. Je n'ai inventé que la science d'enseignement parce que ça m'a été apprise et c'est que je donne aux gens donc ko kansete kinga na kuza millionnaire de billionnaire net Bill Gates millionnaire net Soriano Katombe oyo a pie mboka na biso millionnaire net André Kimbuta tazalite tokutanaka tokutanaka pe tango tokutanaka vous racontez des gens qui sont pauvres, nous sommes tous pauvres, ça je dois te dire. Pour changer la donne de l'histoire là-bas, il faut faire des armes. C'est une arme. Or, ceux qui pouvaient commencer à faire ça, ils allaient battre Oyo, ils allaient entraîner la technique à guerre. Ils allaient soldats Nabiso qui pouvaient entrer, pénétrer facilement dans la caserne. Ils allaient armes. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ont choco. C'est tout ce qu'ils font. Bon, à un certain moment, moi, ton frère, je ne vais pas me taper la poitrine. J'ai été contacté par des gens. Non, Ngaï, avec, ouais, avec 50 000 rentes. Ngaï, avec ceci et cela. Ngaï, le coton, comme ça. Je ne veux pas me taper la patine. J'ai été frappé pour utiliser le terme congolais. Ou au PC, mon tocamo, quelque chose. Abin, il y a un peu de temps. Mon collègue, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a quelque chose. A disparu de temps. Jamais. Jamais accueilli. C'est pas différent. Zoki sango mususu na niveau ya renseignement. Ebisi biso ke président Katisa Kingambu akikoluka bokonje pa Kagame pona ko ma premier ministre batunyoso bakoloba o no président ke Rwanda pona koluka bokonje kuna atika makambo école na ye donc alikuwa ko ma président premier ministre ya Congo. Na ebite soki ya solo, soki lokuta, yo moko tozano ande okoki ko ebisa biso. Bato bazali libre ya koloba makambo balingi koloba. Je peux pas empêcher quelqu'un d'ouvrir sa bouche, te dire n'importe quoi. Mais ils doivent amener des preuves de ce qu'ils disent. C'est tout. Il y a les services de renseignement, il y a tout. Ils doivent amener tout ce qu'ils disent. Qu'est-ce que moi je vais faire au Rwanda? Moi, je ne suis pas Tshisekedi, je ne suis pas Étienne Tshisekedi. C'est Étienne Tshisekedi et son IDPS qui sont allés au Rwanda pour chercher la légitimation du pouvoir par un oppresseur et un envahisseur pendant que le peuple qui devait le légitimer était au Congo. Il est allé là-bas pour chercher le pouvoir auprès de Kagame. Alors que le peuple congolais est là qui légitime quelqu'un. C'est quelqu'un qui était un anti-peuple.
Donc, nga na kenda na Rwanda na kanisi à l'époque où j'avais 26 ans, 27 ans. Kagame zala ikutute. Je peux pas aller chez Kagame parce que Kagame on est ngale mzuri, tu ne vaux rien. D'abord tu es squelettique comme une anophèle moustique. Tu es voleur, tu t'entoures d'une élite filou. Tu es jaloux et envié, monsieur Kagame. Et ton job, c'est tuer les gens. Ne sachant pas que toi-même, tu vas mourir. Le sang des autres ne va pas augmenter une longévité ou une éternité à ta vie. Tu vas mourir comme tout le monde. Hitler a fait ce que tu fais. Il est mort. Tu ne vaux rien et je ne peux pas aller au Rwanda pour chercher le pouvoir. Je demeure un enseignant. Et vous savez pourquoi est-ce que la Corée du Sud s'est développée? Si vous allez dans la Corée du Sud, le fonctionnaire, et vous allez couper mon doigt, le fonctionnaire le mieux payé dans la Corée du Sud, c'est l'enseignant. Parce que tout commence par l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. C'est ça la fondation. Aussi longtemps qu'on néglige l'enseignement, on a affaire à des voyous, aux politiciens et aux gestionnaires voyous. Comme ceux-là qui nous gèrent aujourd'hui. Des voyous. Kimbuta, voyou, il danse, il est content. Les ministres, voyous. Les sénateurs, voyous. Les parlementaires, voyous. Parce que ils ont subi un enseignement raté. Et pour revenir à mon cher compatriote, le docteur Eli, il a beaucoup insisté sur la morale, sur la sagesse. Ça devait se passer à partir de l'école primaire, de la maternelle. Vous acquérez ce mot, cette morale, cette sagesse qui vous dit que respecte les biens d'autrui, respecte les biens publics, respecte l'être humain, soit altruiste, salissa moninga, milinga, nengo olingi, linga mususu, nengo omilingi, yomoko. C'est l'école qui enseigne ce vertu à l'être humain. Mais allez au Congo. Tous ceux qui sont politiciens aujourd'hui, ce sont des produits de l'école primaire et secondaire. Qu'est-ce qu'ils payent à l'enseignant? Nothing. Ce sont des miettes. Mais ils sont tous la progéniture de l'enseignant. L'enseignant, c'est le berceau de la nation. C'est l'enseignement qui produit le médecin, qui produit l'agronome, qui produit le politicien, qui produit tout. Qui produit les soldats. C'est l'enseignement. Mais chez nous, on a négligé, on a mis au bas de la passerelle l'enseignant. Et quand Djemadar Vibikil Gilal devient président, il va faire de l'enseignant le fonctionnaire le mieux payé et le plus payé, afin que notre nation puisse se rajeunir et se maintenir sur l'échiquier des nations. Moi, c'est Pascal Massingwa Panzou. Quelle est la vision que vous avez sur notre futur Congo, car ça commence à venir? Tout espoir est permis. La vision, c'est la vision de notre parti, le Parti National Congolais, c'est de mettre l'être humain, l'homme, la personne, au centre de tout. Aussi longtemps que nous négligeons l'être humain, nous ne valons rien et nous sommes méchants vis-à-vis de l'être humain, vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que je suis ce que tu es, tu es ce que je suis, tu es, nous sommes ce que les autres qui sont ici sont. Si je ne peux pas te valoriser, savoir que Pascal a besoin de la bouffe, a besoin de l'eau, a besoin du jus, a besoin de la bière, a besoin des habits, a besoin d'un habitat, a besoin de divertissement, et qu'il n'y a que moi seul qui dois bénéficier de ça. Alors je ne suis pas un humain. Je suis un animal féroce qui veut te manger pour que ton espèce disparaisse, bien que toi et moi nous soyons la même espèce. La vision
de M. Kinele et du parti pour le pays, c'est ce que je vais te dire, c'est de valoriser tout le monde, de savoir que nous tous, nous sommes égaux devant la loi. Les salaires peuvent être inégaux parce que nous ne travaillons pas tous de la même façon, mais la valeur humaine est la même et devant la loi. Et que la loi soit au-dessus de tout le monde. Bon, certains parlent d'un état de droit, d'accord, c'est bien, c'est une chanson. Mais je dois respecter la loi et faire respecter la loi. Ce n'est pas un domaine exclusif des hommes de droit. C'est un domaine de tout être humain qui doit savoir que je dois respecter ceci, je dois faire ceci, je dois me conformer aux lois de la communauté. Si la communauté dit qu'il ne faut pas uriner ici, ça ne demande pas d'être un homme de droit pour connaître que uriner ici, chier ici, c'est mauvais. Que voler les biens qui ne m'appartiennent pas, c'est mauvais. Ça demande, ce n'est pas l'homme de droit qui doit m'apprendre ça. Ça doit s'apprendre à partir du nombril de ta maman, de la petite cellule familiale, la famille nucléaire, la famille. Et quand nous faisons un autre pas à l'école, en dehors de notre famille, nous apprenons beaucoup plus de vertus que ce que nous apprenons chez nos mamans. Alors, cette vision que tu veux savoir, c'est celle-là. C'est ce que je dois respecter l'être humain et faire revaloriser l'être humain et chercher un peu à brider les instincts carnivores, les instincts brutaux de l'être humain par l'application de la loi qui fait que il faut que nous ayons un État qui punit les malfaiteurs. Nous devons tout faire pour qu'il n'y ait plus l'impunité, que ce ne soit pas la jungle qui est le respect des textes. Qu'il y ait le respect des textes. Quand on dit il ne faut pas voler le bien de l'État. Et que nous sachions que tel a volé. Mais on doit l'appréhender. On doit le juger. Bon, sans doute, il doit avoir le droit d'être défendu et que les droits, la loi fasse son travail pour appréhender la personne et le mettre en geôle. Parce que les sanctions sont là pour corriger les comportements de l'être humain. J'ai parlé du verbe brider, chercher à raccourcir les instincts que nous avons. L'Afrique du Sud nous a donné un peu un exemple où nous avons vu le président, l'ex-président de la République, Jacob Zuma, un corrompu professionnel, un voleur, dont le deuxième mandat n'a pas été achevé, mais on l'a amené à la cour. Il s'est assis sur le banc, ex-président. Il s'est assis sur le banc comme tout autre citoyen ordinaire. Parce que c'est un être humain ordinaire. Il n'a rien de spécial. Il a deux pieds, deux mains, deux, tout ça comme tout être humain. Mais chez nous, nous avons des intouchables. Nous avons des gens qui se prennent comme Alpha Blondy avait dit. Certains chefs d'État se prennent pour des rois. Des rois, évidemment. Des rois tels. Évidemment. Ils se prennent pour des rois de Dieu. Et il a chanté, la démocratie du plus fort est toujours la meilleure. La démocratie du plus fou est toujours... Nous avons des fous, pas des régnants. Alors, la vision, quand qu'il est, quand les gens qui pensent comme moi, c'est de faire régner la loi. Que la loi soit au-dessus de tout le monde. Qu'il n'y ait pas de supérieur, qu'il n'y ait pas de Dieu humain. Parce que c'est nous qui codifions ces lois. Les lois émanent du peuple. Et les peuples doivent se soumettre à cette loi. Et quand il y a des gens qui violent cette loi, tels que Hippolyte Katembere Kanambe, et qu'il y a des gens qui l'applaudissent, mais nous devons tout faire pour les guillotiner, comme les Français l'ont fait avec le roi Louis XVI. Nous devons prendre Kanambe et tout ce monde qui l'entoure, nous devons utiliser ce que les révolutionnaires, les montagnards français à l'époque, ont appelé les rasoirs nationaux. Les rasoirs nationaux, nous devons utiliser les rasoirs nationaux et les tuer, nous devons les tuer. Afin de pouvoir donner une leçon aux malfaiteurs pour que tout le monde respecte tout le monde. Évidemment. C'est ça la vision. Et dès que nous aurons imposé la loi sur tout le monde, on va bien gérer le pays, on va respecter tout le monde et la gestion va marcher. En Israël, l'ancien président israélien est en prison comme nous parlons.
pour ce qu'on appelle en anglais sexual harassment, harcèlement sexuel avec sa secrétaire. A touché Eboye, a sala Eboye, a observé, il a dit, you are beautiful today. La fille a dit, mais patron, a dit, à tout moment, qu'est-ce qui se passe? A touché Ngaboye. Et elle a fini par se présenter à la cour. Elle a dit, mais ce type, ça ne va pas, ce patron ici. Mais comme nous disons, mais il est en prison. Voilà ce que nous voulons. Nous n'avons pas besoin des intouchables. Bill Clinton a pris sa secrétaire Monica Lewinsky sur la table où le monde entier est géré, où il signe tous les actes. Il prend sa secrétaire, il couche sa secrétaire sur la table. Mais la secrétaire a tout dit, bien qu'il a eu la chance de continuer parce qu'il est Illuminati, mais tout a été, il a été éclaboussé dans les médias. C'était clair. Mais nous n'avons pas besoin de président qui viole les femmes d'autrui, les filles d'autrui, et on laisse passer ça sous le tapis. Abotoli Moissi Abato, et il est là, on applaudit. Parce que, mes très chers frères, nul n'est né dictateur. Nul n'est né tyran. Motomoko Abotamaka, dictateur azalité. Dictateur, on le devient. On devient dictateur quand il y a des gens qui applaudissent les actes et les paroles de quelqu'un. Évidemment. Vous voyez ça? Alors. Et pas la vie sous balega. Tout ça, quand on a proverbe, moko, balobakaboye. Kia menyo, takite. Ça signifie, ce qui est connu ne tue pas. Ça signifie, ce qui est connu, c'est la mabe. Il faut vous dénoncer, yango. Et là, quand on a yébani, m'pe balobie et parango, et là, qu'est-ce que bonganga, ce qui est le bami, namboka, nganga akoumali souste. Ndoki akoumali souste. Dans ce recueil poétique, j'ai mentionner la phrase du leader indien Mahatma Gandhi. Il a dit ceci: silence is connivance. Ça signifie le silence c'est la connivence. Autrement, on dit en français, qui ne dit mot comme ça. Ce qui m'a bien, ezali na mboka, ezali na famille, ezali na camarade nayo, ko bangate, il faut que loba yango, loba na motoke, o sa m'a bien. Ce qui au lobby est motoyé à soubi à binon, non, ça l'est bien, au soubi bien. En tout cas, il y a soubi bien. Lobby à quoi? À soubi les sous. À quoi soubi, ti, à quoi soubi l'on est l'amba, à quoi soubi l'on est monoko. Parce que nous sommes flattés à quoi à soubi, à quoi soubi l'on mongo. Jusqu'à ce qu'à quoi soubi l'ayo, n'a monoko, tu continues à applaudir et puis il t'écrase. Bah, Congolais, il faut tous avoir le courage et à quoi dénoncer. Donc, Monsieur le Président, donc yo aux hommes en dingenini pour na ba américain, soit disant que bah yé pour ba changer situation à Congo, mais bah l'Angola qui ambassade na Bango, bah kenda na Congo Brazzaville, bah tel à ceux qui cabile à Longwete, Bango bah quoi intervenir, yo l'obinini pour na américain. Nga d'abord nazali fanatique ya ba américain du point de vue développemental, du point de vue façon bango ya ko travailler ou ba développer pays na bango na intention ba sakanango hégémonique ya monde ba dominer monde parce que bazana créativité inventivité. Donc, en tout cas, tu concédais Bango et Ango parce qu'ils ont inventé, ils construisent, sauf que Bazali inhumain. Et puis, Bazali hypocrite. Ndengenin. Ben, Ngaï Soki, lobby, n'a comme président, je vais imiter l'Amérique. Nazan d'abord fanatique est président Donald Trump. Je vais imiter l'Amérique, Ndengenin. Na ko proposé na ba congolais to buka makambo ba parti mingi wana ke mutu nyoso a partir mbeto na za président du parti na ko organiser conférence nationale pe to bengi ba expert congolais parce qu'il y en a to créer deux partis
bon puis nous voulons que Nzambe a créé à quel abisso toko toko zo exemple en Nzambe que tala tozali kormoko kasi Nzambe na binu na ulbi a créé kabisso après ça biso biloko moko moko à part la niche maboko mi balé ma dessus mi balé na zolo miso mi balé ma colomie balai, etc. etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont en couple chez nous. Ça doit dire quelque chose que toi bundate, toi zala, biloko mi balai, nde e bunda, au lieu toi zala, moi ne toi zala misapi, mitano mitano misate, mitano mitano e bunda kate. Mais ma boko mi balai, nde e bunda. Les Américains ont trouvé cette solution où il y a les démocrates et les républicains. Sans doute, en Amérique, on trouve un parti miké, un parti communiste, et en Amérique. Un parti ming, même un homosexuel, et Zali. Mais tout ça s'est écrasé pour ce qu'on peut appeler l'intérêt de la nation, deux partis politiques. Quand on peut dire que Zali, moi aussi, je suis là. Voyez ça. Donc, c'est quand même bien cette dualité. Même ceux qui ont un sport, à part na catch, on a groupe, il y a trois groupes. Quatre groupes basés dans le ring moko. Mais ce que Zali, dans le football, ils ont toujours deux équipes sur le terrain. Ce que c'est dans la boxe, ils ont deux personnes. C'est rare, je n'ai jamais vu trois boxeurs, quatre boxeurs sur un ring. Alors, bah, deux, ils ont presque partout. Moi, je suis très bien que tous les partis sont les tribales. Chaque parti a mis sa idéologie dans Yango. Et puis, bah, tout le monde est libre que Ngaï. Joindre parti à cause de l'idéologie n'ango. Joindre parti à cause de l'idéologie n'ango, de la doctrine n'ango. Que tu sois Mouluba, Moulega, Mounyabungu, n'importe qui, Mongo, Mukongo, Mundibu, Muyombe, yo okotanga catéchisme wana, ya parti wana, donc le manifeste, ya parti wana, le projet de société, ya parti wana, en tout cas, n'a pas de rosala, la parti wana. Bon, les Américains sont hypocrites. Ils sont hypocrites. Ce sont des multinationales américaines. Banani ba boma mosé. Ezali bangonde ba pesaka aval na Louis Michel. Louis Michel ndemoto ayaka na Kanambe. Kanambe azali produit ya Louis Michel. La Belgique a demandé, il y a même un sénateur ou un parlementaire belge qui en avait parlé, que 15 jours après, ils ont demandé à l'Amérique, qu'est-ce que nous devons faire avec ce Kabila? Bon, comme il est communiste, écoutez, nous devons l'éliminer. L'Amérique a donné son aval, on a éliminé Moussa Laurent Désiré Kabila. Les alliés Amériques n'est pas un équipement, ils sont presque. C'est la société américaine Bechtel, société satellitaire Makassi, et Salaka. Recherche, il y a mappé monde, il y a monde Mouimba, à partir de satellite de Mango, et il y a bi que or, ezali na se anzete. Coltan, ezali boye, bango bazali na cartographie minérale nyoso. Il y a Congo, il y a monde, paix en particulier, il y a Congo. Tout ce qui est richesse, la société Bechtel, ezanango, avec Bill Clinton, bango ne bazoua yango, ba pesa. Afdel, ba Rwanda, ba Uganda, po ba kota na Congo. Ba pesa ngo ba yebike telle place, il y a ceci et cela. Ils ont alors financé la guerre avec Bill Clinton. Na moi aussi à Bill Clinton. Na ba éliminer tout ça. Bref, pour ne pas aller trop, makaba Bill Clinton. Ce sont les multinationales, ceux qui tous allés occuper na 10 multinationales. 7 les allés américaines. Mosusu, les allés australiennes. Nouvelle-Zélandaise, na canadienne, na européenne, mais c'est d'abord américaine. Donc, un peu ce qu'on okay, na histoire, l'air mobalingiba, longola mobutu, va chasser la France dans le précaré français et puis na côté na biso tous les colonies bangote mais l'engagement tous les colonies bango, balingiba chasser bah français na Afrique. Ils ont dit, nous voulons d'abord nous emparer des minéraux d'Afrique. Et d'abord, il y a Congo. Qui ont dit? Ce sont les stratèges du Pentagone. Qui ont dit ça? Alors,
lelo soki kanambe azali wana. Et ça, je dis aux Congolais, c'est parce que les Américains veulent qu'il soit là. Mais il faut que en Amérique, ce n'est pas le gouvernement que tu vois là-bas qui gère et qui décide. Le gouvernement qui est là, ezali masque. Oui, il y a un masque. Ceux qui tirent les ficelles sont derrière. Et ceux qui ont le pouvoir réellement, ce sont les multinationales. Ce sont les compagnies. Vous voyez ça? Alors, Mikolo Bozo Mona, Donald Trump, Aza na Makambo, na gouvernement, Sénat, ba démocrate, tout ça, parce que y a Azali rebelle, Azali missile non guidé. Mpo, y a Azana Mbongo Mingi. Il ne veut pas des injonctions des multinationales. Il veut diriger sa politique comme il veut parce que y a Azana Mbongo Naye. La plupart des présidents au Batia Kawana, Baza ba bol aneti biso. Bakoya, bon, y a Epsi, yo, Kim, yo, okoza président. Na campagne yo keno bunda na mutwana mais boko finga na boko sala tout to yebi ke yo ndo kozala representant yo kozala president okene kuna bo ba voter yo ba ba tidio na mesa ke tala yo za president bo yo agenda na biso yango yo si le Congo si la France si la politique économique mondiale si la politique ceci cela yo okosala kaka makambo yo biso to koyebisa yo sans quoi to kodame yo. C'est comme ça que les multinationales fonctionnent. Et les multinationales appartiennent aux Juifs. Vous voyez ça? En général, s'il y a 10 sociétés en Amérique, 8 à 9 appartiennent aux Khazars, aux Juifs. Ils ont acheté l'industrie militaire, l'armement, la cinématographie. Donc, Hollywood, l'Union sociale, et bien, Juifs, tout appartient à Bango. Vous voyez ça? Ce sont eux qui dictent. Toutes les banques, les alliés à Bango, ce sont eux qui dictent. Alors, Bango ne va dicter qu'à monde si ils ont tué Kadhafi. Si ils sont en train de bombarder et détruire complètement la Syrie. Et là, nous les avons empêché Bango, baya kubumanani kanambe. Bon, ça la biso ba hypocrisie oh, ba kanga ambassade oh, ba zongi sango oh, ba lobake Al Qaeda. Al-Shabaab et l'ingéya ko saba tout ewanani zaba manevre à l'okuta, c'est de l'hypocrisie. Kanambe aza moutou na bango. Et c'est la kebazali bato normo. De babomi des envoyés spéciaux des Nations Unies. Hein? Babomi Michael Sharp. Un Zaid Catalan. Son Catalan. Oh, Suisse wana. Suédoise wana. Bah, bomi bango, bongo Amérique a réagi. Au fait, là où il y a des intérêts, il n'y a pas de sanctions. Vous voyez ça? Il n'y a pas de sanctions. Bah, il dit que non, bah, tout le monde va couper que ça, c'est rien. Toko zoambongo, n'a pas para, compensation, bah, la bible va couper que mbongo yango pour toute la vie, yango ana. Mais, puis autre, nous tout exploiter. Donc, Amérique, ils sont hypocrites. Parce que Kabila a zoko s'entêté parce que ayebi ce qu'il fait. Kanambe c'est que non, tika bambo wana ba boyer. Mais nazali na protection. Donc tozali Congo ezali na bitumba pas contre le Rwanda, pas contre l'Ouganda, pas contre le Burundi, pas contre Kanambe. Ce sont des chiens de guerre qui aboient. Vous voyez ça? Nous faisons la guerre contre les superpuissants ou les superpuissances. Vous voyez ça? Et quitte à nous, si nous étions normaux et nous avions la sagesse, comme le docteur l'a dit, on devait réactiver la diplomatie congolaise pour tout le monde, les Américains, les Français, les superpuissants, tout le monde, tout le monde. Et là, on est au bolingi, au lieu boya tout droit, n'entendre la biso, bosoko, kozongo lokabiso, na mukongo, bozwa ba fasa la biso. Ceux qui vous êtes la personne A, B, C, kasi boyat, au lieu bozongo lokabiso kuna sima. C'est ce que la diplomatie congolaise devait faire. Malheureusement, nous avons fait aux pauvres diplomates, aux pauvres politiciens, miyibi, ils n'ont rien, hein.
ils n'ont jamais eu une maison dans leur vie, ils n'ont jamais conduit une voiture dans leur maison. Ce qui à côté le ministère, première chose, je dois acheter une villa. Hein. Et puis villa en gros, il faut habiter Gombe. Na Congo, quartier qui est caché, Gombe n'est limité. Bah quartier a tout fait en solo, hein? Alors que ailleurs, ce qu'on y a en Afrique du Sud, tout ce qui est à Johannesburg, aucun village d'Afrique du Sud, c'est la même chose. Aucun en France, tout ce qui est à Paris, aucun est partout. Satellite, ils allaient partout. Route goudronnée, ils allaient partout. Toilette, ils allaient la flasher, ils allaient partout. Carreau, ils allaient partout. Mais parce qu'on nous a appauvris et nous ne faisons aucun effort pour sortir de l'appauvrissement. Tous alliés, nous attendons. Ministre va nommer, pas de façon qu'on applaudir. Première chose, ils allaient nommer à Yibimbongo à l'État. À son Mimoutouka. Fête, à sauver famille. À sauver tribu. Hein? Donc, il ne travaille pas pour le pays, il travaille pour la tribu. À Yibi, oui, trois mois. Oui. À Bakissi, ma maîtresse. À Soukipé, on a été à Zimbongo, à Pessina, musicien, Jibem Piana. Yembelanga, composeranga, Nzembo. Adam Bombole. Bayimbe, Bayembi, Bayembi, Bayembi. Deux mois, trois mois, Baba Kiribano, on a été à ma colonette, Bissou. Soit qu'à comme écoutez-moi, dans ma à quelle église, pasteur Azuye, Ayambie, à comme Mondimi, à Souki, Miyibi, des pauvres, pauvres en esprit et pauvres en tout. Alors, l'école congolaise doit produire un être sain de cerveau, un être moral. Et s'il faut aller dans la spiritualité, parce que c'est le souhait de tout le monde qui va à l'église, nous voulons que l'église nous produise des hommes honnêtes. L'église a échoué au pays. Parce que l'église produit des aventuriers, des voleurs, des meurtriers, des menteurs, des escrocs professionnels. L'église devait produire un homme honnête, un homme qui développe, un homme altruiste, un homme qui respecte un autre homme. Pas ces gens-là qui se mettent à prendre les femmes d'autrui et à organiser des conflits dans les foyers des gens. Vive le Congo! Les Congos de Kasavubu, les Congos de Lotus et non pas les Congos de Rwandais. Projet Rabino Ekosimbate, c'est notre Congo. Merci. Je vous entends. Merci.